Oh, mais c'est Johan! Oh, mais t'es venu avec la petite Savannah! Comment tu vas? Bien, on va sabrer les premières bouteilles! Allez, rentre! Un Paul Roger pour commencer, juste un petit doigt! Et une Tesla dehors. Putain, ça fait cher, 4,50€ pour du pain et du beurre, surtout à Saint-Jean-de-Luz. N'a pas la haine, c'est dégueulasse avec toi. Moi je suis fada de vélo, moi je mets mon gilet fluo. Qu'importe qu'il fasse pluie ou qu'il fasse beau, moi je roule sur mon vélo. Ah, moi je roule sur mon vélo. Je roule sur mon vélo. Zip zap zoup. Zip zap zoup. Zap zap zoup. Je me connais pas, même moi j'en connais un rayon. Moi j'ai pignon sur rue avec mon vélo. Que je fasse Léognan Bordeaux, moi je roule vite. Moi je roule vite.
te roule vite. Zip zap zoup, zap zap zoup, zip zap zoup. Moi je suis un fada de vélo, tu l'as bien compris, mon jean est fluo, il est pas là pour faire beau. Moi j'aime la sécurité avant tout, mais t'inquiète pas, demain quand même mettre tes pleins phares. Parce que moi je suis quand même à vélo, faut que tu me respectes, la route est à tout le monde. Ouais, même si j'ai mon casque, ne me renverse pas. Ouais. Même si j'ai mon casque, ne me renverse pas. Zip zap zoup, zap zap zoup, zip zap zoup, zap zap zoup. Ouais, je suis un génie du vélo, je vais sur 20 roues. Je vais super route sur la vite. Je vais super route sur la vite, ouais, avec mon deux roues non motorisé. Moi j'ai cette vitesse avec trois plateaux. Tu peux pas me test, petit bobo. Tu peux pas me test, petit bobo. Tu peux pas me test, petit bonbon. Moi je vais vite avec mon super vélo. Zip zap zoup zap zap zatou. Je vais super vite avec mon vélo. Zip zap zip zip zap zou. N'oubliez pas de mettre votre gilet plus haut et votre casque et vos lumières avant arrière. Ouais, zip zap zoup zap zip zap zou. Je suis un kiffeur de la route en deux roues motorisées. Oups, non, j'ai menti. Pas motorisé. Boum, bim, bam, pi, boum. Boum. Je me suis riché, les pôles mangés, déboîté complètement. Bam, juste à côté du tramway. De tout mon long, je me suis étalé, les dents plantées dans le pavé. Depuis que je suis tombé par terre, l'atterrissage moyen, mais le saut j'en suis fier. Barre-toi avec ta civière. J'suis plus le même depuis l'accident d'hier. J'peux plus assurer le concert. J'dois mettre le groupe derrière. Car rouler, rouler, c'est ma destinée. Rouler, rouler.
cesse. Joanne David, c'est quoi ton prénom? C'est Joanne ou David? Petite fille, à quoi on joue? Dis-moi qu'il y a entre nous qu'une tendre histoire d'amitié. Jojo David, Jojo Rabbit, Roger Rabbit. Jojo David, Jojo Rabbit, Roger Rabbit. Tu es le lapin, je suis le chasseur. T'es l'arrière-train, je suis le fourreur. Tu fais Gradignan, Belin en bicyclette. Tu prends pas le train, ah ouais, petite quéquette. Les vrais cathos vont pas à la messe, ils sont dans la S. Tu tournes le dos, passe une caisse entre mes deux fesses. Bâtard. Et c'est toi le bâtard, Joanne David. Tu lis canard enchaîné, viens pas jouer les prolos. Une coupure CGT aurait bien pu sauver Clo-Clo. La grand-mère aura pas fini de traverser, que le maire de Cestas aura déjà changé. Gradignan, ville de vieux bourgeois. Belin-Belier, pays des vrais gars. Ton petit chien en forme de tender. Ah merde. Que je trouve un peu le truc. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Ton petit chien en forme de tender regarde sous la robe des enfants de cœur. Mon lourd style performe sur Grindr. Pour ton ref, j'aurais juste besoin de beurre. Petite fille, à quoi on joue? Dis-moi qu'il y a entre nous qu'une tendre histoire d'amitié. Et si on va se baigner au Stinz, Joanne? Allez, prends ton paddle! Allongé sur ton grand paddle, t'es mouillé comme un ragondin. Panaché, glacé à la main, manque plus que les amuse-gueules. Mais comment ne pas oublier que cette ancienne carrière est devenue lac de bière que le gouvernement a chloré? Ah, au Stinz! Quoi de mieux pour se rafraîchir? Le gouvernement ne cesse de mentir. Ah, au Stinz, le mégalodon va jaillir. Le mégalodon, il a bouffé ton paddle, Joanne. Tu ne pourras plus lire qui paddle. C'est fini, Joanne. L'acte de pierre n'existe plus. Tu vois au cul. Allongé sur mon... Thank you.
résultat malaisant. Mangeant au lit nul, c'est un peu coucou nul. Toi t'es une tête de mule, touche-moi la pilule. Moi j'ai pas fait YSN, touche pas au lycéenne. T'inquiète, j'ai pas la haine, j'casse ta Volkswagen. Promo de Missy PCG, Discord rempli de PP, Rizita sortie du JVC, aucun d'entre eux n'ont baisé. Pula sonné Miku, j'ai gueulé dans la commande otaku, j'frappe tous les kikou. Un seul VGA, plus de VGE. Un seul VGA, plus de VGE. Et toi, Lucas,
Fermer sa gueule pour cette chanson. Ou gros bolos. J'ai une album près de la Dieu. Pourquoi t'as c'est le Benz? C'est quoi le problème? T'as pas écouté le reste. Je sais, Blackstar c'est bien, mais c'était l'époque où c'était des vauriens. Y'a qui des amnésiaques et d'autres. Putain, Johan, pourquoi le Ben? Non, sérieusement, pourquoi The Benz, mec? Mec, je sais, t'es Daniel Mana, t'es bien le grunge, tu veux pas assumer que Pablo Honey, son album préféré, mais bon, ça m'a deux secondes. Pourquoi The Benz? Ils ont tellement été plus vulnérables, plus vrais, plus... Mec, t'as écouté? Est-ce que t'as essayé d'écouter, mec? Je t'en veux réellement d'avoir une idée comme ça, mec. J'en peux plus. À chaque fois que j'y pense, mec, je suis en colère. Je suis en colère à chaque fois. Soul. The Benz, mec. The Benz. Non, j'ai pas dit, hein. T'es un loser, hein. Non, une rainbow, c'est meilleur, hein.
pas envie de réviser. Ce soir, Yako est à la télé. M'en fous, j'aurai pas de retraite. Je vais me faire une petite branlette. Trop relou, les parents. Je me casse à mes 18 ans. Trop relou, les parents. Moi, j'aurai jamais de ma sœur, j'ai encore explosé mon forfait. La poste mobile, je l'ai pas payé. Trop relou, les parents. Je me casse à mes 18 ans. Trop relou, les parents. Sinon je serai privé de PSP. Les parents ils sont trop nazes. Nightcore, un morceau de reggae, cela s'appelle-t-il du ska? Ouais, gros.
ok. J'étais sur ton man. Je veux le nouveau produit de Teenage Engineering. 2000 balles. C'était une table. Une table à 9000 balles. Ça fait plus de 20 000 francs. Sans refaire. Je l'ai acheté la table. J'ai acheté la table à 2000 balles. Teenage Engineering. Allemande. Sur Thurman. Je l'ai acheté. Je voulais faire mes set noise avec. J'ai l'antidote à vendredi. À vendredi. C'était un vendredi, hein. J'ai mis le setup sur la table Teenage Engineering. 2000 balles. On a lu. J'y suis allé, hein. Je commençais le 7, hein. Je l'ai pété la table. Je l'ai pété la table à 2000. Je l'ai pété la table à 2000 balles, hein. Petit engineering, là. J'aurais pu acheter le micro et acheter la table. Et je pétais la table. J'ai pété la table, bordel. Pendant le 7. Et j'avais pensé que ça faisait partie du 7, non. J'espère les 1000 balles. J'ai des boules. J'aurais pu acheter la table. J'aurais pu en acheter deux, hein. J'avais l'argent pour les deux, j'en ai acheté qu'une. Alors j'en ai plus. Alors j'ai plus de table. J'ai plus de table Teenage Engineering. J'ai plus de table. J'ai plus de table, Joël. Comme une balle dans une table. Récupérer la table. Les mecs, ils ont dit t'as cassé, tu perds. Vous n'avez pas venir jouer la garantie. Ça va te faire 2000 balles. Tiens, j'arrive à 2000 balles, quoi. On a lu. On a lu, putain. C'est foutu de ma gueule sur les forums. C'est foutu de ma gueule, le mec qui m'a dit. Pourquoi t'as pas acheté une table à 10 balles? Parce que j'ai déjà cassé ma table à 10 balles. Je l'ai cassé à l'antidote. Thank you.
Oh mec, ouais, c'est trop cool, moi je trouve. C'est artistique. Je sais pas si t'as vu ma vidéo là des carbonara gastronomiques. C'est un mec, alors en plus déjà il est pas de cam flash. Oh là là là. Mais c'est moi qui ai de la merde et en fait j'ai des... Non, en fait j'ai... C'est artistique. Mais t'aimes pas Romain? Vas-y, remets-le Yann. Liberté d'expression. Liberté d'expression, République française. Libération, le point, le monde, France 2, France 3. Moi je passe sur toutes les TV France 3 de région. Même si je pouvais, je passerais sur les départementales. Car Bolloré veut pas de moi, Bouygues non plus. Car je critique, journal satirique. Je critique, journal satirique. Oh oui. Journal satirique, abonnez-vous. Journal satirique, abonnez-vous. Oh oui. Moi je suis pas milliardaire, je suis juste chanteur. Artiste de profession. Les journalistes me m'aiment pas, car je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ouais, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, tous les merdias et les journalopes. Merdias et journalopes, ouais. Moi, je les traumatise avec mon flow, ouais. Bolloré, je l'emmerde. Moi, je voulais passer toute une soirée avec Claire Chazal. Claire Chazal au bal. Elle danse trop bien. Claire Chazal au bal. Elle danse trop bien. J'étais beaucoup trop vieux pour être avec PPDA. PPDA. PPDA dans l'ascenseur. Non, non, non. Pas bon bail, pas bon bail. Journal satirique, abonnez-vous. Oh. Journal satirique, abonnez-vous. Journal satirique, abonnez-vous. Abonnez-vous, journal satirique. Usule sur Mediapart. Ouais, le média. Le média, le média, le média. Journal satirique. Dédicace à Charlie Hebdo. Dédicace à Charlie Hebdo. Ici c'est de la rafale, journal satirique. Ouais. À tous ces merdias et journalopes et milliardaires de mes couilles. France Inter représente. Ouais. Charlie, on les aura. Ceux qui veulent te faire taire. Ok. On va parler d'un vrai sujet là. Les pyramides. Les pyramides que l'on voit au sommet. Il y a de l'or. Et l'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. L'électricité. Une ressource. Un besoin. C'était des antennes. Les gens avaient l'électricité et les historiens le savent.
Des putains d'antennes. Des putains d'antennes. Des putains d'antennes. C'était des antennes. Les putains de pyramides, c'était des antennes. Des antennes. Des antennes. Des antennes. C'était des putains d'antennes. Les pyramides que l'on voit, le sommet, il y avait de l'or. Et l'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des antennes. 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 Ça me vient pas, j'ai pas de talent. C'est trop compliqué, ça me prend la tête. Ça me prendrait trop de temps. Je préfère aller faire la fête. Toi, tu ne penses qu'à ça. 4, 3, 2, 1. Rien à faire de la musique. Je respire de l'air, je réfléchis à mes trucs à faire. Je ne pleure pas, je suis un peu d'air. Et quand je panique, je joue à Genshin sur mon PC fixe. Toi, tu joues de la musique. Sans la transpire, tu ne fais pas l'amour, tu n'aimes que la musique. Et quand tu paniques, tu penches la guitare électrique. T'as vu combien ça coûte? C'est trop cher, ça va pas à la tête. La flemme d'aller au cours, et le solfège ça m'embête. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, j'utilise Waze, je prends le grand air. Je réfléchis à mes culs en fer. Et quand je panique, j'appelle le Titanic. Toi tu joues de la musique. Tu sens la transpi, tu veux pas l'amour. Tu n'aimes que la musique. Et quand tu paniques, tu fabriques des pédales électriques. Non, j'aime pas faire de la musique. Y'a pas moyen que je rapplique. J'ai pas le sens de la rythmique. Pas le sens de la rythmique. Même pour cet album épique, ton album, Johan David. Thank you.
latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme le... Bon, ça fonctionne. Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ici à la salle des fêtes de Belin-Belier pour la sélection des candidats locaux pour la nationale diffusée sur France Inter du jeu des 1000 euros. Sans plus attendre, commençons tout de suite par une question blanche posée par Rémi Molette qui vient de Talence en Gironde, qui nous demande ceci. Quel est ce personnage qui fait le rôle suivant qu'on va entendre maintenant de la série télévisée Les Simpsons, série dessin animé cultissime diffusée depuis 89, créée par Matt Groening, qu'on connaît en France surtout pour sa diffusion en deuxième partie de soirée sur W9. Ah non, ce n'est pas Barney Gumball, Madame Lemonnier. Homer Simpson, excellente réponse de la part de Sylvie Dupouille. Question rouge à présent, ça devient ardu. Cette question nous est posée par Monsieur Nathan Maviel-Larousse de Cestas, toujours en Gironde, qui nous demande à qui appartient le rôle suivant. Écoutons. Moi, je suis le barbier. Merci beaucoup. Donc, apparemment, un rôle masculin d'après la voix, plutôt léger, mais bien audible pour autant. Eh non, il ne s'agit pas de faux traces recrutes, monsieur Capdouze. Ni de Pierrick le Sauveur, monsieur Duncan. Pas la peine de gesticuler comme ça, vous avez pas la bonne réponse. Bon. Personne. Bon, visiblement vous êtes pas doué. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui il n'y ait pas de questions banco. Ouais. Et vos gueules, hein. Ouais. Charlie Novanecker, France Inter, elle s'est faite virer, comme une malpropre. Mais est-ce vérité ? Oui. Bientôt ce sera ton tour, Meurice. Tu vas pas faire la malice. Tu vas venir comme une saucisse. Pas de saucisse, Fabien Roussel. Thank you.
trop chiant, mec. Mec, je t'ai déjà dit, mec, la clé de fin, c'est le pire truc 2018. Chiant. Alors, spoiler, mec. Ah, non, tu sais pas, mec, tu sais pas. Ah non, mais mec. Casse-toi, mec. Ah, t'es chiant, mec, casse-toi. Non, mais mec, tu sais pas. Ah, mais mec. Mec. Casse-toi, mec. Ah, à la pizza, mec. À ta voleur. Pizza. Oh. Ouais, avec. Ah, mec, je me suis fait un voleur. Ouais, tu t'as épié. Mec. Non, mais mec, demain je bosse là. Pas trop, je suis pas dispo. C'est une petite semaine. Oh. Toi, ça se voit que t'as pas fini à celle, hein. Ah, oh, mec, faut que je te dise un truc. Non, mais mec, Lucas Fort, je sais pas quoi. Je mange pas dehors, hein. Ah, faut que je te dise un truc, mec. Ah, oh. Oh, y'a pas de voiture dehors. Trop chiant. Ah, trop chiant. Ah, le fils.
Et si yo prendra un café con ice? Servidor, por favor. Hey, servidor, por favor. Puedo tener un café con ice. Ah, si, si, un café con ice, por favor. Ese café con ice lo voy a boire al tiro en mi bouche y lo sabroso con ma langue. Ah, 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 es muy amargo, no es muy rico. Necesito un poquito de sucre para le mettre en mi café con ice. Ah, et un poquitito de leche. India,
sur Europe. Tu vois bébé, ce soir sur la plage, on n'ira pas en terrasse, parce qu'on n'a plus l'âge, on n'a plus l'âge de poser nos haches sur ces fauteuils de clinguer des terrasses claquées où on boit de la stat, on boit de la blonde, la brune, l'ambre, et moi je veux mon IPA. Moi je veux mon IPA. Je veux mon IPA. Avec toi, bébé. Vas-y. Laisse-toi emporter, bébé. J'ai bu la dernière bière. La tienne est sans bulle. Le bide a explosé. Ma boisson préférée, par terre. On n'a plus au frigo. C'est fini l'apéro. César, il est plus au bar. Ma vie n'est plus belle. Le breuvage divin. N'a plus de Dieu. Thank you.
chips piment chèvre là. Ouais. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu cher quand même. C'est vrai qu'on devrait plutôt se prendre 10 tranches de jambon à la place. Ouais, tu vas prendre 10 jambons entiers plutôt. Ah ouais, ce serait tellement meilleur. Ouais, c'est pas mal. On a des trucs à boire aussi. Ben moi j'aimerais bien me prendre de la IPA. De la IPA. Ouais. C'est naze, on va prendre de la IPA. On va prendre du Coca Vanille plutôt. Ah ouais, le Coca. C'est bien Coca Vanille. Hein. Ouais, Coca Vanille, c'est trop bon. Du Coca Vanille, parce que j'ai une petite idée de recette. Ah ouais. Où on mélange du Mirinda, du Coca Vanille et du Coca Chéri. Putain, c'est trop bien, mec. Hein, mon chéri. J'étais un. Oh putain. Ah ouais. Voilà. Oh, ça défonce. Mais ça défonce de fou, mon gars. On fait ça, mec. On fait ça. Par contre, tu vois le prix là sur les chips. Ouais. Il me semble un petit peu fou en fait. Ouais. Moi, tu vois, quand même, 43€ le paquet de chips. C'est vrai que c'est un peu abusé, un peu exagéré. Hein. Ouais, je trouve aussi. Attends, je vais aller demander là. Il y a le gars là de Leader Price s'il a des conseils. Ah ouais. Et monsieur du Leader Price. Vodka Schtroumpf, ça a l'air trop bon. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Faites goûter un peu. On va prendre la pilule bleue, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va peut-être prendre de l'IPA finalement. Ouais, l'IPA, c'est ouais. Trop bon en fait. Ouais, mec, c'est gavé bon. On va peut-être prendre la Guinness de merde là. Ou la C64, ouais, attends, on va prendre de la IPA. C'est de la pisse, ça, c'est de la bière de clochard. Voilà, c'est ça. Tu t'as fait voir. Putain, trop chiant, mec. Elle est chère la IPA là. Mais... Ah, 30€ la bouteille. Ouais, bon, ça vaut le coup, c'est trop bon, mec. Ah, hein. Ouais, on va dépenser cet argent là-dedans. Hein. Prendre. Hop, prends pas Coca Vanille là. Oh. Ah, ouais, mais t'es fou. Non, mais ouais, t'es fou. Mec, tu sais, j'ai lu, mec, qu'il y a des gens, ils ont bu du Coca Vanille et ça les a tués, mec. Hein. Ouais. Mais ils ont pu ressusciter grâce à la IPA. Grâce à la IPA, mais même, c'est trop ça fort. Qui est fou. Ça défonce, hein. Trop bien, mec, vas-y. Ouais.
Waouh. Oh là là. Waouh. Mec. Eh mais tu l'as toi aussi là. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Je vois tout clairement, ça y est. Ah mais oui, j'ai tout compris à la société. En fait, c'est la faute des femmes et des woke depuis le début. Mais c'est un truc de fou. Mec, je viens de le comprendre. C'est à cause de ces gros pays d'islamo-gaucho là. Mais c'est marqué sur Reddit en fait. Leur Guinness, c'est mais marqué oui. sur Twitter. C'est ça. Mais tout est marqué partout depuis le début. Et on, à cause des pilules bleues, on ne le voit pas. Mais c'est exactement ça, tu vois la vérité toi aussi. Mais heureusement que nous maintenant on est rouge pilulé. Mais c'est exactement ça mec, la drague c'est plus possible maintenant oui. là. Bah, parce que tous ces mecs là, toutes ces Lopez là, maintenant ils ont complètement féminisé nos hommes. Et maintenant mec, quand les femmes elles sont plus grandes, tu peux plus les pécho, c'est fini. Regarde, au début du siècle c'était des vrais hommes, ils étaient plus grands que les femmes. Mec, dans les mines et au front, ça se passait mieux avant mec hein. Attends. Mais ouais. On peut pas tout dire là. Putain, on mec, est censuré. Mec. Parce qu'ils nous écoutent. Mais oui. C'est les tweetos là. Les tweetos. C'est les. C'est les social justice warriors là. Il y sur aura Twitter. Un raid sur nous. Putain, on va se faire cancel mec. Non, vas-y, on s'en va là. On s'en va avec la Guinness. Ouais, avec la Guinness, bien sûr. Thank you.
Bourgueil qui organisait en même temps la course cycliste. Alors il y aura bien sûr un cessez-le-feu, comme on a dit avec, avec Pascal Légitimus, le second de la confrérie des chasseurs du Val-de-l'Air. Donc bien sûr, le 3 et 4 avril, on ne pourra pas chasser ni le sanglier, ni la buse, ni le cerf, bien sûr, ni la palombe. Ni l'écureuil, ni le ragondin, pardon. La pêche, en revanche, est toujours maintenue. Également concours de pêche à la truite, à l'étang de la Clotte, à côté de Jouet. Et n'interrompez pas le la réunion, s'il vous plaît, vous poserez les questions après. Ensuite, également réunion mardi prochain pour déterminer l'emplacement de la nouvelle palombière. Sur, alors, on a déjà deux terrains proposés. Il y a le terrain de Monsieur Lafargue qui sera, qu'on pourra retenir. En revanche, Madame Valero. Madame Valero ne pourra pas donner suite à la demande. En ce qui concerne nous n'avons pas fini la réunion, monsieur Denkalalan. Alors si vous voulez quitter, vous pouvez quitter, mais vous ne dérangez pas les autres. D'accord ? Apéro à 19h. Écoutez, écoutez, bon, Margot n'est pas revenue du Auchan avec la Suze, donc on va attendre le pâté, vous pouvez commencer à le déguster, vous pouvez commencer à déguster le pâté et... bon, je suis obligé de mettre fin à cette réunion. Non, on discutera pas. Moi, je discute pas avec toi. Je discute pas avec les Parisiens. Bon, bon, écoutez, je ne peux pas. Hein. Bon, eh. Allez, à tantôt. Hein. Ah,
se trempe les pieds, le temps de se soulager. Ah oui, près de la reine, tu étais bien ma reine. Rappelle-toi mon amour quand on allait chez AR sur Adour. Ah mon colombin, prenant son petit bain. Ah cette sainte eau qui coule le long de ma jambe. Le courant emporte mon étron. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Entre l'Australia et la Sud-América, dans l'océan Sud-Pacifique, l'atoll de Pompom Gay. Joan.
Johan. Ok, j'arrive, et nous. C'est par les doutes, c'est à travers de plan cette fois. Bon, je vais chercher une serviette et bon, je vais te amener dessus. Ah, celle-là. Non. Ah, celle-là, ça va. Ça, c'est bon, c'est épongé. Ça, c'est bon, c'est réparé. Ça, ça roule. Oh, putain, et ça va. Oh, laissez ça comme ça, les enfants. Sur Georges à Big Boy. Tu vas me mettre sur le coup, mais tu ne seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Peter et Steven, ils aiment bien, pourquoi ne pas travailler ça? Parce que t'es trop mauvais. Ah ben là, ben, il faut que c'est une bonne raison de travailler avec Peter et Steven. Ben alors? Ce charlot, tu ne savais pas qu'il existait encore. Il va falloir vous y habituer parce qu'il va travailler avec vous sur ce dossier. Lui est lumineux. Oh, arrêtez vos conneries, patron. C'est mon fiston. C'est mon pouvoir. C'est mon jeu.
on a déjà quelques petits. On va interroger les gens, ceux qui l'ont aimé, qui l'ont exprès, tous ceux qui l'ont appris. Et puis c'est vrai, on a pensé qu'on devait expliquer ces dernières paroles. L'homme de mer. Vous avez raison. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était chargé. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de mer. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un prénom. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Ici est ma maison. Vous voyez derrière là, pas mal de c'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. Ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je vois trop arriver. Bon, et à part ça. À part ça, mais ça peut continuer, on n'a pas l'ombre d'une. Vous savez qu'il a vécu au Texas la moitié de sa vie. Vous cherchez par là. Vous cherchez par là, vous cherchez par là, vous êtes bon fou. Par là. Bravo, c'est un sujet. Mais en fait, j'y pense, Callaghan, il devrait pouvoir vous aider depuis le temps qu'il est là, payé à rien foutre, autant qu'il serve à quelque chose. Ce gros pas. Je suis peut-être payé à rien foutre, mais mes tuyaux, je les garde pour mon fils. Oh là là. Mais comprenez-moi, mes amis, c'est mon fils, ma bataille, c'est le fruit de mes entrailles, quoi. J'avais un nom, une adresse, moi je lui ai donné. Ouais. Oh là là, ça vous emmerde, vous me trompez. Traité de connasse. Eh non. Vous savez, c'est pas très agréable. Bonjour, viens voir la certaine. C'est quoi ça? Oh, bah, c'est juste que j'aime bien faire foutre au cuisine. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose? Oh, vous devez sans doute être monsieur Hugues. J'ai une lettre. Avant de me montrer, je voudrais bien vous poser une question. À qui ai-je ouvert? Dave, je suis le fils de monsieur Callaghan. Faites-moi voir votre profil. Faites une enquête sur George Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Oui, vous l'avez connu, je vois. Vous savez, George, je l'ai connu au temps du Texas. Je suis encore cowboy. À l'époque, j'ai commandé une cowboy. Je vis avec George en tant que fan. Et vous avez un sexuel. Vous me cherchez. Salope. Et c'est facile. Deux garçons vivent ensemble dans un ranch et portent des pantalons. C'est vrai qu'un jour un cavalier est arrivé à fond les bavants avec une lettre. Racontez-moi des choses que vous savez. De toute façon, j'ai jamais pu encadrer. Merci de m'appeler Tasseron. Ça fait toujours plaisir à entendre, surtout de la part de PD. Vous savez ce que vous faites? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. C'est un bon goût. C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce, c'est de la mort séchée. Et toi, tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter. Toi, tes affaires. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se trouve dans son pichon pour en faire.
Fabiole. C'est dégueulasse, mais... Attends, c'est censé être l'homme le plus grâce. De toute façon, il faut présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux cliquer au cul de comme ton bite. Sauf que bite, que ça sert à rien, le patron l'a déjà fait de cracher dessus. Ben non, pas cracher, le patron, il crache pas dans les plats. Allons, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats, alors dans ce tour. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. Ah, je vous laisse manger, bon appétit. Ah bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que d'ailleurs... Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un accident. J'ai été moussé. Alors, je suis réveillé en musique et j'arrive au plus sourire. Vous avez d'autres choses à raconter, sur genre. Un peu plus de moi, je vous reviens. Mais par contre, je peux vous parler de pas d'avocat. Elle s'est fait refaire tout genre. Et je sais où quoi ça. Genre, ah, justement, une fois, j'étais chez les Indiens à Village. Salut, Jug. Alors. Salut, Jug. Salut. Salut, les gars. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Tu t'entends? Des chips. Tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Pourquoi tu dis rien? Tu es la bouche. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Rien. Parce que si on est des chips, moi je suis dans un rêve. Prends un papier, je vais te donner le numéro d'un certain Jacques, il faudrait l'interroger. Alors, c'est 19, 94, ouais. 0, 18, 13, 24, 32, 49, 26, 24, 44, 16, 70 933, 16 moins 4, Bon, merci, on l'appelle. Bien sûr. Bon, on se rappelle plus tard. Regarde, ça c'est le numéro de Jacques. Je l'ai trouvé aux archives. Le numéro qui t'a filé, Dev, c'est de la connerie. Il commence vraiment à me faire chier, Dev. Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je ne sais pas plus. Bon, ben là, je te trouve un peu dur. On paraît entendre un faux. Ah, mais moi, quand tu veux, tiens, tu connais l'effet spéciaux de la sonnette ? Drink, 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 tiens, et drink, c'est drink. C'est impressionnant, ça. Et après, je te fais drink, et puis même encore drink. Oh putain, je suis pas prêt. Allez, un dernier drink. Maintenant, t'appelles Jacques. Hein. Je vous appelle parce que j'enquête sur George David Ball et j'aimerais beaucoup recueillir votre témoignage. Mais c'est bon. Écoutez, voyez-vous plus de mauvaises nouvelles, mais je vais vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, pour George David Ball, je veux bien faire un effort. Mais il ne faut pas me prendre pour la bonne poire. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Attention, j'ai bien dit gentil, j'ai pas dit homosexuel. Hein. J'ai dit gentil parce que dans le témoignage de Hugues, il est noté que vous êtes parti dans la ville de George en ayant reçu. Absolument. Je pense que vous faites allusion à cette missive que nous reçûmes d'un jour. Dis-moi, cela avait l'air urgent à croire la hâte de la montre de l'Express. En effet, l'expéditeur a pris soin d'écrire au dos de l'enveloppe. Presse le pas facteur car l'amitié n'attend pas. La lettre provenait d'un ami qui me demandait de lui venir en aide. Bref, en un mot, commençons. Nous mîmes en route. Pas de te plaindre. Enfin, écoute-moi bien, Hugues, plus que quelques kilomètres, bientôt nous serons dans une bonne auberge.
interromps, excusez-moi, mais cet épisode nous a déjà été raconté par Hulk. Peut-être pourriez-vous nous parler de ce qui vous est arrivé après ce repas dans la bonne auberge, hein? Absolument. Après déjeuner, il était temps que je me mise à l'ouvrage. J'allâme voir mon ami Dino. Oh. Ah, Dino, mon pauvre ami. Ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Pourquoi vous vous êtes mis dans cet état de vie? Vous qui êtes aussi belle. Pas du tout. J'ai plus envie. Démocratie! Liberté! Plus envie de vous. Vous ne voulez pas me dire que c'est un peu de genre quand même, ça? Dites venu ainsi. C'est pas une raison pour vous lever du jour. Vous êtes malade ou quoi? Il faut arrêter. Sauf que là, je ne connais pas Chirac. Tu ne connais pas Chirac. C'est un gros. C'est pas une raison pour vous laisser aller et ressembler à une larme. Regarde mes mains, saloperie. Regarde, je suis niqué les mains, moi, avec cette saloperie de collègue de pins à la cour. Bon, moi j'y vais, merci pour les pins. Et vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Complètement même. Hein? Et casse-toi maintenant. Georges, vous me décevez. Je m'attendais à plus d'ouverture d'esprit de votre part. Je vous aiderai malgré vous. Rester en ville malgré les menaces de Georges, c'est un drôle courageux de la part d'un fêté comme vous. Eh bon, c'est fini, oui, ça c'est une rumeur. J'ai jamais été homosexuel en tant que fédéral. C'est fou que vous ayez tant de complexes. Et quand bien même je serai au bout, je vois pas ce que ça change. En string, vous devez être bonne. Sois prêt. Très bien, là, je vais tout lire. Ça nous mène la folie des hommes, on court tout droit à notre paix. Les patrons, j'ai trouvé de la dynamique. Ça me donne une idée. Hé, les minables, il n'y a pas que moi qui suis payé. Il y en a un autre, il s'appelle Georges.
cause. Allô. Et toi, sale parasite, casse-toi. C'est le pic. Voyez-vous, Hugues fut gravement blessé. Georges est venu s'excuser immédiatement. Absolument. Je suis pas super bon, je suis le gars, mais je suis surpuissant.
Champion Beaujolais. C'est toujours sur mon chemin de dos, moi. Champion Beaujolais. Ça fait mal. Putain, ta race. Dans les lignes inoffensives. Maintenant, cache-toi. Attention, on tourne à droite. 1, 2, 3.
Ah, oh, bah vas-y. Restabilisation. Attention, on va plonger. Ça sort. Immersion de l'astronef. Ok, Johan. C'est mal de bide, moi. Ça, c'est l'embrouille. Celle-là, elle est comme ça. J'arrive pas à le digérer. Si, t'avais raison, on aurait dû prendre une Wish Lauren. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche, enfin. Bon, hein. M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Excuse-moi, mal au bide, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Il faut que j'aille chier, rapidement. Tout le monde est là pour toi, Johan. Tout le monde. Tu poses mon bouquin d'exercice. Tout le monde. Merci. Et de pouvoir savoir ce que tu fais dans mon bureau. La mort de George n'est pas accidentelle, il s'est fait assassiner. Faut savoir comment tu sais ça. Ah bon, ça, je te l'ai parlé de gorge profonde. Ah, le nerf de leur gorge profonde, c'est pas grand, ça. Bon, maintenant, de toute façon, je vais avancer plus vite. On peut savoir, ça veut dire quoi, ça? Rien. À part que toi, t'en peux pas te perdre de l'arme. Mais t'es un minable. Je te crois le meilleur journaliste du monde. C'est incroyable, ça. Bon, maintenant t'arrêtes, parce que je te préviens que mon enfant parle et perd la vie du chien. Un peu de dignité, s'il te plaît. Ah, et puis je voulais dire un truc à propos de gorge profonde. C'est mon indicateur, alors touche à ton cul. Excusez-moi, messieurs, c'est terre, c'est du boucan dans les affaires. Quoi? C'est même. Tu vas pas me croire. Oui, Malobi. Par contre, on ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a pas. Merde, allez. Patron, on a un problème. Je suis genre un peu. Non, les chiottes, tiens. Ce n'est pas le patron. Oui, tu es dangereux. Oui, mais mon téléphone il marche pas. Et tu vas déguiser comment? Ah, je pense. Ça aurait intérêt à trouver un truc bien. Non, mais je te fais confiance. T'inquiète. Un restaurant mexicain. C'est pas vrai. Tu parles espagnol? Et tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zo. Est-ce que tu aimerais te baffrer un chili con carne? Non, merci. Je suis un peu ballonné, là. Je suis pas trop bien. Je suis désolé. Il n'y a pas d'offense. Par contre, la prochaine fois, on est un bon chili con carne, d'habitude. Là, j'ai fait un régime à base de Wish là. Excuse-moi, à base de Wish Lauren. Donc tu me prends, j'arrive. La fromagerie en bas de chez moi, elle vend des trois choses fromagées, Wish Lauren et de la bouffe chinoise. Alors toi, mes lecteurs, il m'a la coupe, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lauren. Thank you.
fait trop bien de se déguiser. Moi. Non, non, je t'assure. Happy Ball. George Happy Ball. Classman, top of the pop. A disparu. Poil au cul. Au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau. Mais tout ça nous éloigne de Georges. Moi, papa, Lula, angoisse, s'angoisse. J'ai plus de repères. Pour l'instant, Waloutaloutou. Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais vu un cadre. D'accord, d'accord, chaboutaloutou. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies. Steven, arrête-toi, c'est insupportable. Tu sais, à propos de Steven, c'est encore plus balèze que moi avec mon déguisement. Il traverse tout le pays pour une interview. Mais lui, il se met vraiment dans la peau du personnage. Je trouve ça vraiment courageux de traverser l'Amérique. Happy, c'est du journalisme. Et il passe par l'Alaska, ce con. En plus, monter à pied là-haut, putain, faut être con. Ben, tu vois, moi, par exemple, autant au début, je trouvais ça con. Maintenant, venu dans le canard, on va pas me reconnaître. C'est comme ça. Un vrai petit caméléon, le dernier. Tu trouves pas que je me suis muscle ces derniers temps? Tu veux voir mon déguisement? Tu sais, faut le voir porter. T'as déjà entendu parler d'Optimus Gordon? Je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Ça, c'est à peine croyable. Je me trouve une panoplie super bien. Chemise dont je suis hyper fier. Et voilà comment elle félicite le dev. Excuse-moi, mais là, je pense à Steven. Je me dis qu'il a beau être en pied. Il doit sûrement vivre des moments extraordinaires. Mon cher Peter, ça y est, j'y suis. Même si mon déguisement n'est pas encore tout à fait fini, la casquette ainsi que les bottes ne me conviennent qu'à moitié. Je sens grandir en moi la flamme qui a dû animer les grands reporters de ce siècle. Je pense à Albert Londres, Gunter Wallraff et autres Robert Mamias. Entrez. Bonjour monsieur, je suis journaliste et je fais une enquête sur la mort de George Abdul. Je sais que vous avez vécu au Texas, je voudrais recueillir votre témoignage. Je vous arrête tout de suite. Il doit y avoir erreur sur la personne, vous n'avez jamais vécu au Texas. Laissez tomber votre cinéma avec moi, je sais que vous... Ok, c'est bon. Mais alors, il faut que je vous dise, je ne me souviens plus de grand chose. Des visages comme ça qui me reviennent de temps en temps. D'odeur, de sensation. Il est déjà 2h. En fait, je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter, si ce n'est deux ou trois vagues choses qui n'ont guère d'intérêt pour moi. Alors une, je ne m'en souviens pas. Deux, je ne suis pas resté longtemps. Et enfin cinq, bien pas. Très bien. Si vous ne voulez pas m'aider, allez-vous me rappeler. Mon cher Peter. Me voici en Alaska, malgré le froid, malgré une mule impotente, malgré la fausse barbe qui me gratte, je continue à croire en mon aventure. J'ai quand même deux ou trois doutes. Bah, tu vois, Dave, il commence à ressembler à quelque chose, ton déguisement. C'est moi, avec la tête de français, là, vraiment, je suis pas. Il y a beaucoup de boulot avant de faire comme Steven. Pour le rodeo. Je vais la métamorphoser, ma tête de français, tu vas voir. Tu vas pas en croire, Jésus. D'ailleurs, moi aussi, je voudrais que ça se récolte deux ou trois témoignages, sauf que moi, je suis pas comme ça. Mon cher Peter, j'ai perdu beaucoup de temps avec le bizarre. Ils ont travaillé pour les ordures. Alors, les boules, vous allez me parler de George. Ah,
parler. Ah! Je vais montrer où j'habite. Mon couteau est stupide. Ah! Faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ah pour ? C'est pas une peur, vite ! Vous voulez parler des chefs de l'État ? Non, de l'affaire Edison. Je suis sur Georges pour trouver nos équipements. On va fuger les contacts. On va prendre les chiens pour témoigner. Les témoignages, c'est pas de la tôle. Vous voulez que je vous raconte un truc vraiment honteux ? Dans une boîte pour laquelle vous travaillez depuis 3 ans, pour avoir une rupture conventionnelle. Il faut être travailleur dans cette même boîte depuis 5 ans! 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 Mais c'est long, 5 ans! Pour moi, tu travailles pour une boîte qui te paye, mais on va rien dire, on va rien dire! Prends la pêche! C'est ça! Il y a du pute! Ah ouais, c'est bon comme ça! Georges avec Paul. Georges avec Paul. Georges avec Paul. Désormais, le journalisme total, c'est totalement con. Allez. Oh, la place américaine. Oh, patron. Allez, faites-moi prier un peu, merde. Vite. Vous voulez nous parler des chiottes, peut-être? Non, on veut vous parler de la terre. On veut laisser tomber nos déguisements. On en a marre. Comme vous chantez. Il a pété dans le micro! Rémi a pété dans le micro! Mais quelle équipe! Quelle équipe! Ouais! Je voulais être ma femme. Vous n'avez pas la suite? Ça peut marcher. En y réfléchissant bien, je pense que notre histoire n'a pas une chance sur 100 de marcher. On y va? J'imagine que j'aurais pas de chance.
Vous avez parlé avec l'accent canadien? Ah, évidemment. J'ai qu'à demander. Mais dites-moi, George, vous pouvez m'en parler? Chez les... comment vous connaissez là? Yeah.
vol. J'ai peut-être qu'un bras, mais je suis pas manchot. En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu veux. Allez bien. Délimite jusqu'à 3 mois, un sale chapeau, deux chemises, une veste, un foulard, un pistolet et 4 oreilles. Et que c'est tout. Mais aucun problème. C'est le gobble de Tchernobyl. Bravo, il la connaissait. Bon, messieurs dames, c'est ça la puissance intellectuelle. La plus de les enfants. On va rentrer et on va s'inventer une petite charade. Et là, ça sera bien compris. J'aimerais bien que je vais vous faire progresser. Les moyens sont bons pour elle. Oh. Écoute-moi bien, garçon. L'affaire à Bibot, c'est pas une affaire pour vous. Et mon patron n'aime pas trop les fouineurs. Alors, je vais te dire une chose. Il y a de la boue qui vaut mieux pas la remettre. Non, je demandais si vous aviez parti. Vous, en plus, je dirais des je comprends pas, il faudrait être là. Ah, merci, on s'en va vraiment aimé. Oui, le standard, vous n'avez rien. Allô, oui, bonjour, professeur Hammond. Professeur, j'enquête sur Georges de Pistol. Je voudrais vous poser deux ou trois questions sur votre frère. Je serai là. Actuellement, j'ai un léger problème de jeu. Je crois que mon tailleur se fout de ma gueule. Allô ? Voyons-nous chez moi. C'est Hawaï ! Ouvert 5 heures. T'abuses! Je me souviens de tout chez vous vers 5 heures. Bon, je vais essayer de m'en rappeler. J'espère. Le sale chèque! Vous arrivez peut-être même pas chez vous. Vous vous pointez avec vous. Tu vas être remplacé ou pas? Vous faites les coups de bois, vous prenez la dernière merde. Vous êtes un sacré. On lui prend de force! Arrêtez, vous gênez les gens. Il est déjà 9h! Vous parliez, c'est Joël à moi. Bien sûr, c'est possible. Je vais vous raconter une histoire pas mal. Une fois, je devais rejoindre mon frère Joël dans une carrière. Sur mon fond, c'est pas écrit Radio Réveil! Il a mis sur le top! Juste avant d'arriver au chantier, je m'étais arrêté quelques instants pour faire voir mon cheval. Oh, oh, oh! Regarde! Joël, tu vas pas aller! Joël! Regarde! Je dois y aller! Il est parti avec une Québécoise! Une vraie petite salope! Partez dans les deux français français. C'est clair, l'extrême gauche. Vous savez, voilà. Le nom de l'âge, l'audience terroriste française. Principale organisation du regroupement international, l'audience communiste internationaliste. Communiste, révolutionnaire et internationaliste. Et l'autre, c'est le vidéo du protégé en France,
Et voilà l'enfant sur le rôle central de la classe ouvrière. Arlette Ladier. Et la prochaine parole est aujourd'hui dans la 35 ans. Et la première fois dans cette parole est l'élection présidentielle en France. En 1974. Petite Fennel, la détentrice du record de candidature effectif au scrutin sous la 5e République. Elle réalise son meilleur score en 2002 en arrivant en 5e position avec 72% de suffrages exprimés. Les actuels personnels le sont la famille candidat à l'élection de 2012, Jean-Michel de Monte, Jean-Pierre Hirschi. Les plus grands saxophonistes, post-prophétiques, Vivian de Marne. Ou, Sarah, habite en Tokyo.
Entrez Bonne journée. Bêtise commune d'Ostin. Oui, 9h.
Ah, mais c'est possible. Oui, vous voulez niquer avec mon ami et moi. L'épice de Windostin. Vous avez bien dit, oui, pourquoi pas, c'est bien ça. L'épice. Va tout arrêter, ouais. J'ai tout le monde m'appelle, c'est ça. Rétis, c'est ma ville, c'est mon village. Laisse tomber ce que là. Victoire de victoire. Viens voir. Jamais je quitterai Rétis. Steven, madame Sosso. Mademoiselle. Jamais je ne quitterai Rétis. Rétis. Jamais je ne quitterai Rétis. Et en plus, on est passé là. Une seule ligne. Et alors pourquoi? J'ai pas de problème. Tout vous pouvez pas savoir ce que je garde mes caleçons pendant deux si mois. Je prends bien, on s'est tapé une pour les revendre plus si cher sur un corner. Tout de suite sans même être sûr. Alors que moi, pendant ce temps-là, je me la suis donnée. J'ai touché avec ma cousine. La cousine! Amy, la cousine! Cousine éloignée, mais maintenant on est très près! Oh, Rémi! On a pas envie de ce que t'as vu le fait! Oh, Rémi! Ah oui! Le dev est parti chercher l'or! Comme ça! Tu es des gouffes! Oh! Tu t'es fait vers le film Marvel, t'es un P2! Oh, bah oui, bonjour! On peut jouer un peu en blanc. On peut jouer un peu en blanc. Je vais de la merde. Et avec ton petit dites-moi, pendant que je me tiens, ça veut dire quoi, mais... Il y a 35 ans, on me demande ce que ça veut dire de C'est juste un peu de mal. Woo!
fou. T'as tout niqué.